Quand le couple sort de la mairie, quand il vient de se marier, on jette quoi? On jette du riz. C'est beau, c'est bien, c'est du riz. On va acheter quoi maintenant? On va acheter du tofu? Des graines de quinoa, c'est ça? Aujourd'hui, les enfants, ils disent ça. C'est très bien, c'est éducatif, on s'amuse. Vous voulez vraiment qu'ils lisent ça? Il n'y a même pas de jeu dedans. Deux hommes se marient et fondent un foyer. Ça veut dire qu'il y aura deux salaires, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup trop de fric. Les enfants, ils vont aller à l'école en Ferrari, alors qu'ils n'ont pas le permis. Aujourd'hui, on peut marier deux hommes ensemble et deux femmes ensemble? Et demain? Des arbres? Deux séquoias? Mais puis si on va par là, la prochaine étape c'est quoi? Lady Gaga au ministère de la Culture? Bravo monsieur. Deux mamans à la maison, ça va être tout le temps la baston pour savoir qui fait la vaisselle. Et pour faire les goûters aussi. Il y aura deux goûters, deux petits-déj, deux déjeuners. Ça va faire des gamins obèses. Deux hommes qui se marient vont faire un enfant. Ça va être quoi le résultat? Un petit bébé avec deux zizi? En fait, la famille, c'est comme une mayonnaise. Alors, il y a un peu d'huile, un œuf. Alors que si on met deux œufs ensemble, eh ben, ça fait une omelette. Et on va pas manger une omelette au sperme. C'est ça que vous voulez? Un monde de tofu?